Salut à tous, c'est Néo. Donc là, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve donc pour un tout nouveau glitch, donc en solo. Donc pour pouvoir avoir vos armes en mode passif. En tout cas, avant ça, un grand merci à vous tous pour les 21 800 abonnés. Plus que 50 abonnés et on passe donc les 21 900 abonnés. Je compte sur vous la team. Donc pour pouvoir commencer ce petit glitch, vous devrez être en session sur invitation ou en session publique, peu importe, et vous devrez avoir votre mode de visée en visée libre ou mode de visée assistée, peu importe, les deux modes de visée marcheront, d'accord? Vous devrez aussi avoir donc minimum un C4 donc sur vous, ok? Et vous devrez avoir juste avoir ça. Et vous devrez vous rendre donc à un ammunition. Donc peu importe. Tous les ammunitions marcheront. Ok? Et une fois tout ceci préparé, vous êtes prêts à ça, du coup c'est parti. Let's go! Allez hop! Donc là pour commencer, on se rend à un ammunition. Donc peu importe. Tous les ammunitions marcheront. Là, on rentre, on va à gauche et là, vous aurez la vitrine à chaussures et vous aurez donc un message pour faire la flèche de droite. Vous avez vu? Donc, maintenant, là, on sort de l'ammunition. Après, on prend un C4, on met un C4 sur le sol, d'accord? Donc, après ça, on rejoint une personne en mode de visée différent de nous. Donc, par exemple, dans ma communauté à moi qui s'appelle NeoGamer. Donc là, après, on compte 2 secondes, après, on explose le C4, après, on refuse le message, on rentre dans l'ammunition, là, on va aux chaussures et on spam, on spam, on spam la flèche de droite. Là, après, vous allez spawn sur la map et vous serez bien donc en mode passif avec vos propres armes à vous, ok? Donc maintenant, là, je vais le refaire donc au ralenti pour vous expliquer comment ça fonctionne, ok? Donc là, hop, on compte 2 secondes, après on explose le C4, vous aurez un message d'alerte, donc là on refuse le message d'alerte, ok? Après là, on court dans l'ammunition, on va au niveau des chaussures, après on spam, on spam, on spam la flèche de droite, d'accord? Donc là, vous aurez donc après un écran noir, et après, donc là, vous allez voir votre joueur pendant une demi-seconde dans la vitrine à chaussures, et après vous allez spawn sur la map. Et vous serez bien donc en mode passif avec vos propres armes à vous, ok? Allez hop, donc là après on va spawn dehors, donc là boum, on a spawn dehors. Donc maintenant là on sort donc le pistolet alien, donc le pistolet laser, ok? Après on tire sur le sol et si notre joueur bouge pas comme moi, il reste en place, du coup ça a bien fonctionné. On est bien donc en mode passif avec nos armes à nous. Et là vous avez vu, il y a un joueur à côté de moi, le joueur il est en sécurité réserve du coup. S'il est en sécurité réserve, normalement il sera pas invisible, ok? Donc là, hop, on s'approche du joueur et vous avez vu, boum, le joueur est invisible. En gros, moi je suis en passif et lui il est pas en passif, ok? Et vous avez vu, il est bien en sécurité réserve du coup, quand le joueur est en sécurité réserve, il est pas en passif, ok? Et pourtant, moi je le vois en mode invisible, vous avez vu? Donc ça a bien fonctionné, je suis bien en passif avec mes armes à moi, d'accord? Donc maintenant. Là, vous pourrez faire vos missions de PDG, vos missions de club de moteur ou vos missions du bunker tranquillement, sans que personne vous dérange. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner. Go Rush, les 21 900 abonnés, je compte sur vous la team. En tout cas, moi, je vous laisse sur ce gameplay, sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao!